faut pas que je taille. Donne-moi le nombre de chiffres si tu me parles de dalle. Deux heures qu'elle me parle sur le cœur, les impacts de balles. Et j'ai compris, on voit le bonheur par le mal. La mort, elle n'arrive jamais seule dans les corbeaux, j'ai une vue infernale. Voilà, je dis quelque chose à sa façon, beaucoup mieux que ce que je vais dire maintenant. Il est vrai que dans la vie, il y a beaucoup de choses qui se balayent entre le bien et le mal. C'est intéressant de le trouver aussi dans cette musique, parce que je l'aurais pas attendu là, et je l'ai vécu toute ma vie, le mal par le mal. Et c'est positif. Le mal par le mal est une thérapie. En médecine, depuis très longtemps, sachons trouver le bien dans le mal. C'est pas forcément la personne qui est en cause. Ça peut très bien être une communication, une relation. Quand on a une relation avec une personne pendant un certain temps, on se rend compte parfois qu'à certains moments, on a des très bonnes relations et à d'autres moments, on n'y arrive pas. Et ça, c'est parce que nous évoluons individuellement et que l'autre, dans cette relation interpersonnelle, n'a pas forcément sa place. Et il faut l'accepter. Quand on est deux, on n'est pas que deux. Il y a des amis, des autres relations, heureusement. On a beaucoup de potentialités autour de nous qu'on ne voit pas toujours.